Mireille Darc et Alain Delon se sont rencontrés en 1967 à l'aéroport de Paris. Malgré une première impression mitigée de la part de Mireille, ils ont fini par échanger leurs coordonnées et ont commencé une relation lors du tournage du film La Piscine. Leur amour a été mis à l'épreuve en 1968 lorsque Delon a été suspecté du meurtre de son ex-garde du corps, mais cela a finalement renforcé leur lien. Mireille a dédié une grande partie de sa vie à Alain, s'occupant de lui et de son fils, Anthony. Elle a même mis sa carrière de côté pour se consacrer à leur maison à Douchy. Cependant, leur relation a été bouleversée en 1980 lorsque Mireille a dû subir une opération à cœur ouvert. Après l'opération, le médecin a informé le couple qu'une grossesse pourrait être fatale à Mireille, ce qui a conduit à des tensions dans leur relation car Alain souhaitait avoir plus d'enfants. Finalement, leur histoire d'amour a pris fin en 1983, mais ils ont été réunis 2 semaines plus tard lorsque Mireille a eu un accident de voiture. Malgré leur séparation, ils ont continué à se respecter et à se soutenir mutuellement. Mireille a ensuite trouvé l'amour avec le journaliste Pierre Barré, puis avec l'architecte Pascal Després, qu'elle a épousé en 2002. Malgré les hauts et les bas, l'histoire de Mireille Darc et Alain Delon reste une histoire d'amour mémorable.